Bonjour. Oui, nous allons corriger cette épreuve. C'est une épreuve du concours d'entrée en première année de la filière des docteurs vétérinaires de l'École des sciences et des médecines vétérinaires de l'Université de Ngaoundéré au titre de l'année académique 2016-2017. Ici, on est au Cameroun. Competitive Entrance Examination into the first year of the cycle of veterinary doctors of the School of Veterinary Medicine and Science of the University of Ngaoundéré for the 2015 to 2017 academy year, September 2016. Épreuve de mathématiques, papers, mathématiques, durée 2 heures, dont introduction, instruction. Répondre à toutes les questions, soit de la section A, soit de la section B, en utilisant qu'une seule langue, le français ou l'anglais. Bon, actuellement, je vais vous donner simplement, on va lire simplement le sujet et on va faire une autre vidéo pour la correction. Je vais voir si c'est que ça vous intéresse comme ça, vous me dites dans les commentaires. C'est intéressant que je vous donne chaque fois les sujets et qu'après ça, on corrige. Voilà, section A. Donc la section A est en français et la section B est en anglais. L'épreuve comporte 50 questions pour chacune d'elles. Deux choix sont possibles. V pour indiquer la réponse qui est exacte et F pour la réponse pour une réponse fausse. Seules les questions d'un même exercice sont dépendantes. L'épreuve comporte 12 exercices. Exercice 1. Donc, on considère une fonction de f définie par f de x égale à moins x plus 2 plus ln de valable plus ln de valable sur de x moins 1 sur x. La dérivée f prime de x est égale à. Donc voilà l'expression qu'on a donnée. Bon, il faut savoir que ici là, certainement, il doit avoir une parenthèse ici, comme ça. Donc voilà ce qu'on doit avoir, certainement. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc vous devez répondre par vrai ou faux. Je vous laisse le temps de chercher. On va revenir sur ça. Faites d'abord le tour de toutes les preuves. Section A et section B. On dit le point I de coordonnées représente le centre de symétrie et le centre de symétrie de la courbe représentative de F dans le repère orthonormé. Hein? Dans un repère orthonormé. Vrai ou faux. Une équation de la tangente en I à C est 15,5 de x plus 59 sur 4. L'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans R. Exercice 2. Limite de f de x, limite, calcul des limites. Limite de pi, 2pi moins x sur cosinus carré de x lorsque x tend vers pi sur 2 égale à moins l'infini. C'est vrai ou c'est faux? 6. Limite de x au carré sur exponentielle de x lorsque x tend vers plus infini égale à 9. Vaut faux. 7. Limite de x puissance alpha ln de x lorsque x avait alpha supérieur à 0. Lorsque x tend vers 0. Limite de x puissance x lorsque x tend vers 0 plus égale à 1. Vaut faux. Limite de grand X de la limite de X de 1 plus sinus de grand X sur 3 à la puissance grand X égale à 4 exponentielle de 3. Vrai ou faux. Exercice 3. Soit le nombre complexe oméga égale à racine de 2 moins racine de 2 sur 2 plus i de racine de
2 plus racine de 2, le tout sur 2. Oméga, bas est une racine carrée de 1 plus i, le tout sur 2. Cosine de pi sur 8 est égale à racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Oméga carré est solution de l'équation z carré plus racine de 2 z2 plus 1. Oméga à la puissance 4, le tout à la puissance 4 égale à i. Exercice 4. Soit la fonction définie sur R par f de x égale à x au carré exponentielle de moins x. L'aire du domaine délimité par la courbe représentative de f et la droite d'équation y égale à 0, x égale à 0, x égale à 1 est égal à 2 moins 5 sur e. F est solution de l'équation différentielle y' plus y égale à 2x exponentielle de moins x. L'intégrale de 0 à 1 de f de x dx égale à 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x plus 1 sur e. Exercice 5. Soit la fonction f définie par f de x égale à l'intégrale de 0 à 1 dx sur dt sur 1 plus t carré. F est une fonction paire. Faux. Donc nous passons directement f de x égale à moins 2x sur 1 plus x au carré. La fonction f est décroissante sur R. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus infini, f de x est inférieur à 2. Exercice 6. Soit état un angle appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert. 0 ouvert, pi sur 2 ouvert. Sur la suite un n appartenant à grand n, u0 est égal à 2 cosinus de θ. Tapez une équation ici. Un plus 1 égale à racine carrée de 2 plus un moins n. Pour tout entier naturel, un est égal à 2 cosinus θ sur 2 à la puissance n. La suite un est croissante. La suite un est majorée par 1. La suite un converge vers 1. Exercice 7. Soit z égale à racine de 2 sur 1 plus i, exponentielle de i pi sur 3. Module de z égale à 1. Donc, on a un module de z égale à 1. Z égale à moins facteur de 1 moins i exponentielle de i pi sur 3. Le réel moins pi sur 12 est argument de z. Z égale à exponentielle de 13 pi sur 12. Exercice 8. On considère la fonction f de x égale à x plus racine carrée de la racine carrée de valeur absolue de 4x au carré moins 1. F de x est égal à racine carrée de la racine carrée de 4x au carré moins 1 moins 4x sur racine carrée de la racine carrée de 4x au carré de la valeur absolue de 4x au carré moins 1. La tangente à la courbe représentative de f au point de coordonnées 1, 1 a pour équation y égale à x plus 1. La droite d'équation y égale à x est asymptote à la courbe C. La droite d'équation y égale à 3x est asymptote à la courbe C. Exercice 9. Sur la fonction f de x égale à intégrale de 1 à x t exponentielle 1 moins t carré dt. La fonction f est positive pour tout x positif. Pour tout réel x, on a f de x égale à 1 demi de exponentielle de 1 moins x moins x moins 1. Pour tout réel x, on a f prime de x égale à x exponentielle de 1 moins x moins 1. Limite de f de x lorsque en plus égale à plus infini.
Donc, exercice 10. Dans le plan complexe apporté en repère orthonormé direct, on considère les points A, B, C, D. La fixe respective, Z de A égale à 1 plus 2i, Z de B égale à 1 plus racine de 3 plus i, Z de C égale à 1 plus racine de 3 moins i, Z de D égale à 1 moins 2i. Donc AB égale à CD. Le triangle ABC est rectangle. Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Les points ABCD sont sur un même cercle. Exercice 11. Un éleveur a dans son enclos des chèvres et des vaches de deux races, race 1 et race 2. Pour chaque espèce, il dispose de 4 vaches de race 1 et 3 vaches de race 2, 2 chèvres de race 1 et 5 chèvres de race 2. Un acheteur se présente et achète 2 animaux qui sont sortis de l'enclos et livrés. La probabilité que les 2 animaux soient de race 1 est P égale à 3/4. La probabilité que les 2 animaux soient de race 2 est P égale à 1/4. La probabilité que les 2 animaux soient de races distinctes, P égale à 7/16. La probabilité qu'un seul animal soit de race 2 et une seule vache est de race et une seule vache est de P égale à 1/100. La probabilité qu'un seul animal soit de race 1 et une seule chèvre est P égale à 15/77. Maintenant, exercice 12. Un sac contient 12 billets dont 4 sont rouges, 8 blanches. Parmi les billets rouges, 3 portent le numéro 1 et une numéro 2. Parmi les billets blanches, 6 portent le numéro 1 et 2. On extrait une bille au hasard du sac. On note sa couleur et son numéro et on lance dans le sac, on replace dans le sac. Cette épreuve est effectuée 5 fois. On considère les événements suivants. Grand A, on extrait exactement 2 billes rouges. Grand B, on extrait exactement 3 billes portant le numéro 3. C, toutes les billes extraites portent le numéro 1. D, on extrait au plus une bille portant le numéro 2. 46, la probabilité de l'événement A est 80/243. A et B sont indépendants. La probabilité de l'événement B est de 46/512. La probabilité de l'événement C est de 243/1024. La probabilité de l'événement D est de 82/128. Donc voilà, nous venons de finir avec la section A. Maintenant, nous allons passer à la section B. Et je précise que la section B en anglais. Et on demande de soit composer. Le Cameroun est un pays bilingue. Donc on demande, par exemple, pour ce concours, soit de composer en anglais, soit en français. Vous choisissez une seule langue. Donc vous choisissez celle qui vous paraît la plus simple. Solve simultaneous the question in the set Z. Donc voilà l'équation. That is the question. You have to solve this equation. Those equations. Second question. The quadrature equation has root alpha and beta such that alpha minus beta is equal to 4 and alpha square plus beta square is equal to 58. Find the solution set P and Q. Question 3 and 4. Find the number of 5-digit even number which can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5. If 3, no digit is
to be repeated in any number. Any digit can be repeated. Find the set of value of x for which x minus 3 over x. Bon, en fait, supérieur ou égal à, supérieur à 2, strictement supérieur à 2. Donc voilà, par exemple, vous allez lire ça vous-même. Il faut vous battre. Hein? Vous les, je vais aller doucement pour que vous puissiez lire. Donc, question 7, maintenant 7, 8. Voilà, par exemple, ici. Vous allez lire, vous pouvez lire doucement. Je vais aller très doucement, très doucement. Donc, voilà, par exemple, on peut continuer. Donc, voilà la suite. Vous lisez. Two particles P and Q are moved in the in a horizontal plane. At the time t seconds, P has position vector, voilà position et vector, Q has position vector, the unit of distance being the meter, c'est-à-dire, find the solution set, on demande la solution de l'ensemble, voilà. Donc vous devez choisir la bonne réponse ici. Question 7 et 8. A donné deux matrices. Voilà la matrice M1, la matrice M2, la matrice M3, la matrice M4. Donc c'est quatre matrices. Un opérateur étoile. Defined as. L'opérateur étoile. Voilà. Et puis maintenant, on demande. Assuming that S form a group. What is the identity in S? C'est-à-dire qu'est-ce que identique, la matrice identique. La matrice identique, tout le monde voit. Bon, en fait, vous allez chercher. Après, on va corriger. Find the set inverse for M1 and M2. C'est-à-dire l'ensemble des inverses. Ensemble des inverses M1 et M2. Voilà. Voilà, par exemple, la question 9 ici. Find. Donc voilà par exemple les propositions. Nous sommes, n'oubliez pas, nous sommes à la section B. Question, voilà, on peut aller plus vite. Donc ça c'est par exemple pour ceux qui parlent anglais au Cameroun. Donc voilà par exemple, je mets ça pour que tout le monde puisse voir. On parle doucement, doucement, il s'agit, vous pouvez lire. Et chaque fois vous pouvez bloquer la vidéo, vous essayez, you can stop the video and resolve. And then, after that, we are going to correct all those exercises you can try to do, because after that you can correct it, you can correct all those exams. But now I give to you those exercises because I want that you try to do that, because you have to. To try to do, try to correct it. Bon, vous allez vous battre, vous allez essayer d'abord de chercher. Après, on va corriger ensemble. Voilà, nous allons passer à une autre épreuve. Donc voilà par exemple, you have to correct this exercise because it's very easy. I say that it's very easy, it's not difficult. You can try. And when you have to do an exam, you can try to exist yourself with those exercises. And donc, en fait, vous pouvez vous battre à faire ces exercices.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour faire un concours, il faut tenir compte de l'employabilité. Donc, vous devez choisir les concours qui ont un fort potentiel d'employabilité ou qui peuvent vous permettre de créer vous-même votre entreprise. Et ce que vous avez à savoir, c'est que quoi? C'est qu'aujourd'hui, au niveau du Cameroun, il y a des problèmes. Par exemple, l'entrepreneuriat est un domaine dans lequel beaucoup de gens s'en sortent. Parce que le Cameroun a près de 80%, 90%, presque 4% de personnes qui sont dans l'informel. Or, ces gens qui sont dans l'informel, beaucoup d'entre eux n'ont pas de formation. Donc voilà, par exemple. Donc, voilà par exemple l'exercice. That are the exercises. You can try to do this. Do it. Because it is very, very, very easy. It's not difficult. Those exercises are very easy, very, very, very easy exercises. Very easy exercise. And then you can try to do this. And we are going to correct all those exercises. Very easy exercises, very easy. Donc voilà les exercices pour ceux qui voulaient. En fait, mon premier souhait, c'était d'abord de faire en sorte que vous puissiez avoir les anciens sujets, par exemple, de ce concours. C'est-à-dire ce concours-ci, c'est de faire en sorte que vous puissiez avoir les anciens sujets de ce concours. Donc voilà par exemple, first entrance. Donc c'est de faire en sorte que vous puissiez avoir, et je crois que j'ai à montrer. Donc voilà par exemple ce que j'avais à vous montrer. Et la correction, nous allons le faire. On va faire la correction. Donc pour ceux qui veulent suivre, vous pouvez suivre la correction. Mais dans une autre vidéo, pas dans celle-ci. Et partagez cette vidéo, si partagez le maximum possible à vos camarades et abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et appréciez nos vidéos. Si vous aimez ce qu'on fait, dites que vous aimez. Mettez un pouce bleu pour faire en sorte que nos vidéos soient les meilleures, que nous soyons les meilleurs. Merci.